Ici Louise Latraverse, femme du monde et d'Arvida. Quand je passe le balai chez moi, puis j'arrive devant le miroir, je me dis « Allô ?» Mais c'est ça la liberté, Chris. Ah, Denis Gagnon, enfant terrible la mode. Tout le monde aime ce que je fais. Par tout le monde, je veux bien sûr dire Geneviève Borne. Mesdames, messieurs, bienvenue au Paralympique des myopes. Je vous rappelle que nos athlètes ne voient rien. Arc! Oh, un levier piqué par-dessus la tête qui ne pardonne pas. Ah, la jugulaire est sectionnée, son partenaire est disqualifié. J'ai senti un peu de paresse de sa part là-dessus. J'ai l'œil, je suis designer. Eh ben, Chris! Demi-finale du biathlon maintenant, le biathlon qui combine deux disciplines. Le cuir et la couture? Non, ski de fond et tir à la carabine. Ah, j'ai déjà habillé Alec Baldwin. Et moi, j'ai fréquenté John Wayne. Far West, Chris! C'est le départ. Ça skie bien, première courbe de compléter. On se pitch à terre, c'est l'heure de tirer. Hey, je suis pas sûr, là, mais regarde, je pense que c'est une vache qui vient de passer d'un gradin, là. Tire là, j'ai du cuir à tanner. C'est sa matière première! Oh my God, c'est la descente des célébrités en bobsleigh. Ça, c'est nous autres, ça, Denis. Il faut y aller. C'est bon, là, on voit rien. Non, non, Denis, même dans la buée, on peut avoir une vision parce qu'on est des artistes. Chris? Bingo. C'est bientôt l'heure de l'épreuve de squeleton pour Coqueluil. Nos athlètes myopes se préparent à se garrocher sur une luge tête première. Je vois pas ce qui pourrait mal aller. Normal, tu vois rien. Allez, on retourne au village de Rafflechi. On y retourne en ski à bosse? Dis pas Chris. Oh. Chris!